Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu spéciale. Ça va être ce qu'on appelle un vlog. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vlog ? Eh bien, c'est tout simplement, je vais vous raconter ma journée. Alors aujourd'hui, eh bien, on est samedi. Samedi matin, le samedi de Pâques, juste avant le dimanche de Pâques. Et je vais essayer d'aller déjà faire des courses. Alors, ça va être assez compliqué parce que pour le week-end de Pâques, eh bien, l'État de Californie, et notamment la ville de Los Angeles, le county de Los Angeles, a décidé d'essayer de laisser tout le monde à la maison pendant ce fameux confinement. Ils ont alors là fermé tous les parcs, vraiment là tout est fermé sauf les magasins. Alors qu'est-ce qui n'est pas fermé? Ce sont bien sûr les magasins pour faire les courses, les garages de réparation, les restaurants si vous prenez ce qu'on appelle to go, c'est-à-dire que vous emmenez pour à la maison, vous commandez, vous emmenez pour la maison. Donc moi, je vous dis à tout à l'heure. Alors là, par contre, comme vous voyez, eh bien, il a plu hein, ces derniers jours, là, pendant toute la semaine. Et ici, eh bien, l'herbe a poussé. Mais alors là, elle a poussé vraiment considérablement, comme vous pouvez voir. Vraiment, c'est impressionnant parce que normalement, l'été ici, il n'y a rien du tout. On n'a pas d'arrosage. Donc là, ce que je vais faire aussi pendant mon week-end, ça va être de nettoyer. Alors là, le frère Ashon est en train de faire pousser les plantes. Là, il est en train de préparer ça. Voilà, puis notre petit barbecue. Voilà. Et voilà, et puis là, c'est la tondeuse, là, la fameuse tondeuse que j'ai achetée hier, la semaine dernière. C'est une tondeuse électrique. Alors, elle est à l'envers, là. Hein. Mais elle est ici. Voilà, la fameuse tondeuse que je vais me servir tout à l'heure. Alors, comme je vous ai dit, eh bien, on va aller faire les courses. Donc, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais unplug, débrancher la voiture. Parce que, comme vous savez, la voiture est une voiture, c'est une Ford Fusion. C'est-à-dire, c'est une Ford qui est à moitié électrique, à moitié à essence. Donc, je vais ouvrir le garage, pas la garage, mais enfin la cour. Voilà. Ah ben, un vlog, c'est un vlog, hein. C'est-à-dire que vous allez tout voir. Voilà. Et puis là, eh bien, ce sont nos voisins. Hein? Ça va, vous? Ah ouais? Ah ouais? Hein, ce sont nos voisins. Bon, ben, voilà. Donc, on part pour faire les courses. Voilà, c'est parti. Donc là, on va essayer de trouver des supermarchés où il n'y aura pas trop la queue, ce qui ne va pas être évident. Voilà. Voilà. Donc là, on est sur la route et moi, je vous dis à tout à l'heure. Compte, eh bien, comme vous pouvez voir, le soleil est magnifique. Alors, je vais essayer de... Voilà. Voilà, le soleil est vraiment magnifique hein, pour ce samedi de Pâques. Alors là, où est-ce que je vais aller? Je vais aller Alors, comme vous pouvez voir, eh bien, il est 7h40 du matin, ce samedi. Et comme vous pouvez voir, eh bien, il n'y a vraiment personne sur la route ici, normalement, le samedi matin. Bon, je vais pas dire qu'il y a des embouteillages, mais il y a quand même du monde. Voilà. Alors voilà, et bien là, on est presque arrivé au magasin. Alors je suis pas sûr que ça va être là, hein, parce que... D'abord, ça dépend de la queue, ça dépend si c'est ouvert, et surtout, ça dépend de ce qu'il y a.
parce que malheureusement, il y a beaucoup de magasins où il manque des produits, ce qu'on appelle essentiels, c'est-à-dire des œufs, etc. Voilà. Donc, eh ben voilà, je suis devant le supermarché et comme vous pouvez voir, eh bien, il n'y a pas la queue. Voilà, parce qu'on est de bonne heure ce matin. Et oui, il est 8h là. Et donc, je vais aller faire mes courses. Donc voilà, et là, je prends mon petit chariot. Eh bien, comme vous pouvez voir, il y a toujours des rayons qui sont complètement vides. Et ça, c'est les rayons, eh bien, des papiers, toilettes, les sopalins. Voilà, et eh bien là, je vais prendre du lait. Et je crois que c'est du 1%. Ouais, c'est du 1%. Voilà. Alors voilà, alors là, c'est le gros problème ici. C'est qu'effectivement, il n'y a plus de farine. On ne peut plus trouver de farine nulle part. Et ça, ça devient vraiment pénible. Bon, et ben voilà, ça y est, on a pratiquement fait les courses. Donc là, j'ai réussi à trouver en fait du pain. Du pain. J'ai trouvé des œufs, alors le lait. Les congelés pour Sean. Moi, mes salades, et bien pour le midi au travail. Et j'ai trouvé du beurre président, parce qu'on trouve du beurre président ici, et oui, à Los Angeles, des fruits, et puis voilà, ça devrait être tout. Alors par contre, j'ai pas trouvé la farine, il va falloir que j'aille dans un autre magasin pour trouver de la farine. Voilà, à plus. Savez-vous ce qu'on trouve ici? Eh bien, je vous le donne en mille, de la crème fraîche, voilà. Du Vermont. En fait, c'est quand même de la crème fraîche. En plus, le Vermont, comme c'était un état qui était plus ou moins à tendance française, et oui, la capitale de l'état du Vermont, qui est un tout petit état, eh bien, s'appelle Montpellier. Alors, je crois que ça ne s'écrit pas pareil, mais elle s'appelle quand même Montpellier. Voilà, comme ça, eh bien, vous savez tout. Eh bien, on quitte le magasin. Et là, et oui, alors donc comme c'est Pâques, et eh bien, il y a des fleurs, il y a des trucs, et des trucs sympas. Qu'est-ce que je peux acheter? Ah ben voilà. Alors voilà, voyez, Happy Easter. Est-ce que Sean va vouloir? Donc voilà, et eh bien là, je suis à la caisse. Et comme vous pouvez voir, et eh bien à la caisse, on doit rester à distance des autres personnes. Et puis, alors voilà. Alors ici, la particularité des supermarchés, c'est que quand vous avez fait vos courses d'arriver à la caisse, eh bien la personne met dans les sacs. Mais avec le fameux coronavirus, eh bien si vous avez vos propres sacs, eh bien, vous devez mettre les affaires dans vos sacs vous-même. Voilà. Voilà la petite différence. Et puis ici, comme vous pouvez voir, eh bien, il y a pas mal de caisses automatiques, self-caisse, comme on dit. Bien, et eh bien moi, je retourne à la maison. J'ai pratiquement trouvé tout ce que je voulais, bien sûr, sauf la farine. Voilà, allez, on va fermer la voiture. Voilà. Et c'est parti. Alors moi, je vous dis à tout à l'heure. Bon ben voilà, ça y est, j'ai fini les courses. On revient des courses. Donc, je ferme le garage. Quoi, le garage, je ferme la. Au revoir les chiens. Ah non. Voilà. Et voilà. Et maintenant, eh bien, je vais rebrancher la voiture. Voilà. On va prendre ça. Voilà.
Et voilà. C'est branché. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, voilà. Eh bien voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'allais tondre la pelouse. Eh bien voilà, vous pouvez voir un petit peu. Voilà, eh bien vous pouvez voir maintenant, tel que c'était avant, vous vous rappelez, hein, vous voyez un petit peu comment que c'était. Je pense que j'ai fait du bon travail. N'est-ce pas, Sean? Est-ce yes. que j'ai fait du bon travail? Yes. D'accord. Je crois que tu as fait tout le travail. Bien, eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. Ce petit vlog, hein, comme je vous ai dit, c'était une nouvelle forme de vidéo que j'expérimente là. Donc, si vous avez aimé cela, eh bien, vous mettez un pouce comme ça. Vous pouvez laisser des commentaires. Alors, donc, si vous allez sur YouTube, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire à cette chaîne YouTube, hein, surtout en cette période de confinement. Eh bien, vous pouvez surfer sur YouTube. Vous connaissez ma chaîne. Vous avez une centaine de vidéos. Et puis, si vous inscrivez, eh bien, pareil, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt sur cette chaîne ou sur YouTube ou sur Facebook. Bye bye.